Canal Paula qui entre dans la pour nous porter une nouvelle vidéo pour nous qui est vraiment important. Écoutez, nous connaissons hier mobilisation manche longue qui était faite pour vous et le président Jovenel Moïse aller, mais jusqu'ici, le président s'il était dans le palais national, il ne pouvait jamais aller. Eh bien, après un gros coup et montée des scènes qui t'a fait côté premier ministre Jean-Michel Lapin te pour démissionner, eh bien, premier ministre nommé Jean-Michel Lapin fait qu'on est lui-même, il pas démissionner. Au contraire, c'est le Parlement l'attend pour faire séance et eh bien ratification énoncé politique générale li, pour le capable installer pour la servir pays a et lui-même li là pour le servir pays a et le voyait j'étais bien loin déclaration Renal Libéris était fait côté le témoin dit pour démissionner et eh bien Jean Bakay la déroulé là problème dans palais problème dans primature problème dans la rue et eh bien problème dans opposition et eh bien c'est tout corps pays a net qui malade pendant la palais a toute institution dans pays a forcément bloqué. On balle pas parti dans le pays, eh bien, si Haïtien nous mettre tête nous ensemble pour nous prendre direction avec le pays, eh bien, moi fais nous connaître, eh bien, Pita, Ava, Pitris pour nous. Eh bien, moi invite nous pour nous suivre ensemble. Déclaration, Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Rete branché, on te vini. Bien les viser et directement équipe pour faire partir hein, puisque mouvement SAO a demandé non seulement pour que gagner lumière qui fait sous gaspillage qui te gagne dans le fond Petro-Caribéa, mais tout a demandé départ président Jovenel Moïse. En première question pour nous introduire et échanger ça matin hein, qui le sont au niveau de pouvoir là nous tirer de série mobilisation SAO qui a fait là. Bonjour une fois encore monsieur le Premier ministre. Bonjour Pierre Renel, bonjour Guerrier, bonjour tout auditeur qui a branché Radio Caraïbes matin. Donc hier, encore une fois, comme nous habitués de dire, l'État est face à une responsabilité que la Constitution a balayée, c'est garantir sécurité avec vie. Tout le monde qui a vécu dans le pays, nous sommes au rendez-vous, l'État est présent. Manifestation, j'en ai demandé de joindre sécurité et l'État lui-même, tout, à travers structure de sécurité, et agit selon les limites de la loi. Enfin, nous demandé ça. Nous tendons, nous gardons, nous comprenons, nous voyons derrière un peuple, une partie de la population, bien entendu, qui a revendiqué. J'étais commencé à revendiquer la limite de la loi. À un certain moment, la police est obligée de garantir bien l'autre monde, eux-mêmes, qui va décider de manifester. Donc, la police est obligée de ramener l'ordre et la tranquillité dans la cité. Nous, à continuer présent, chaque reportage Radio Caraïbes sont bains. L'État encore à travers l'institut de sécurité lui au présent pour nous capables de permettre tout le monde dans la société hein, qui a besoin de vaquer librement à l'occupation. En ce qui a été à grève, il faut dire, on a demandé, on a posé une interrogation. Dans la grève, ça. Qui côté Timon yoye? Qui côté jeunesse la yé? Timon qui besoin de l'école. Timon qui besoin de boucler à l'école. Parents qui viennent faire sacrifice, qui payent l'école pour Timon qui arrive dans la période d'examen. Jeunesse, ça, qui demain, doué, venir remplacer, ou du moins, renouveler toute autorité dans tout côté, dans le niveau député, dans le niveau sénateur, dans le niveau casette, azette, magistrat, président de la République, premier ministre, et tout bagage à eux, demander au minimum de formation dans les affaires d'éducation. Est-ce que je veux dire, chauffeur camionnette, syndicat, qui côté petit tuer dans la situation ça? C'est ça pour la population, vous comprenez. Est-ce que je dis à mon qui lance grève, ça, qu'un petit tuyau matin, qui pourrait le passer, qui pourrait aller l'examen, ou du moins, c'est dans 8 jours, dans 15 jours, dans 22 jours, qui pourrait aller l'examen? Je dis à votre maman,
avec papa petit, commencer ouais, et pour yon comprendre, pour yon questionner qui côté intérêt petit yon est. Nous demandons pour la police, encore une fois, debout, debout, pour lui assurer sécurité publique pour tout le monde. Tout le monde qui veut aller travailler, tout le monde qui veut mener petit sur l'école, toute l'école qui veut fonctionner, fonctionner normalement, comme à l'ordinaire. Monsieur le Premier ministre, dans l'intervalle à gagner, secrétaire général conseil ministériel, Renan Liberus, qui pensait faut en remettre des missions en tant que Premier ministre pour faciliter président, nommer un nouveau Premier ministre, débloquer situation même. Est-ce que vous parlez pour sacrifier ça? Nous mettez déclaration encore une fois, monsieur Renan Liberus, là devant opinion. Parce que je dis, Jean-Michel Lapin, Premier ministre nommé, c'est un blocage lié dans le processus de ratification du gouvernement. Nous la gueule, la même opinion publique là, que eux-mêmes, y a porté jugement. Mais après, le bagage nous connaît. Rendez-vous, son rendez-vous constitutionnel lié. Tout le monde, tout le groupe monde, qui besoin de jeter le gouvernement ça, y a contribuer avec le Parlement pour faire une séance et être capable de le gouvernement un vote décencié. C'est ça, la Constitution. On a ambiance comme ça au confortable? Moi, confortable parce que tout simplement, moi, habitué faible, moi, là, pour servir l'État. Moi, confortable et moi, je voulais insister parce que je vous dis, moi, connais que réponse pour qu'il pote la situation peuple, il n'a pas fait sécurité, il n'a pas fait santé, il n'a pas fait éducation. Qui ça? Qui proposition M. Liberus t'a fait pour l'hôpital général Passalier, je veux dire? Qui proposition M. Liberus t'a fait depuis plus que 7 ans, parce qu'il était dans le gouvernement président Joseph Michel Martelly avant, pour professeur qui 2013 va me toucher? Qui ça? Qui proposition M. Liberus t'a fait pour l'hôpital général Panaïta ça? Qui ça? Qui proposition M. Liberus t'a fait pour pas des monde qui vient dans la radio Caraïbe désappointé les gens ont besoin dans l'affaire santé c'est bon la rue de pral chita et laisse là pour ambulance à courir et à faire la navette de l'hôpital à l'hôpital. Je dis à question c'est ça lié. Donc c'est gagné. Y a l'autre coupon qui capote une réponse au plus vite. Parce que c'est ça la population abtonne, c'est ça la préclamée. Donc, laisse ça moi-même, légalement, comme moi ça dit, à travers une séance de ratification, laisse ça, il y a un gouvernement ça, que moi-même, monsieur le Premier ministre à la tête, les options qu'il a mérité, n'a pas considéré. C'est le peuple-là qui décide, parce que député, sénateur, c'est représentant du peuple-là, légalement. Jean-Michel Lapin, donc, non niveau Sénat, surtout côté, d'accord, déclaration, séance, ratification, là, il est bloqué, là. Le groupe Katio, il y a eu des revendications, dans un premier temps, qui c'était, pour que tout, ancien ministre, pas présent, pour déblayer le gouvernement de Mounsayo. Mais, il y a allé plus loin, pour dire que, même moment, on va besoin présenter, dans le niveau, Sénat. J'aime ça de l'IA, guerrier du seul, que groupe 4 là, ajouté 12 autres sénateurs sur 4 là, 4 fait 16, c'est sa constitution dit, pour eux-mêmes, le dégage en majorité, puis elle dit ça à travers un vote. Ça nous relève le vote de l'Assemblée. Eh bien, d'accord. Merci en pile, PM. Comme vous êtes, je peux pas trop arrêter ensemble avec nous, pas qu'à Kimbo Trop, mais merci en pile. Merci. Et message là, c'est qui s'allie, et la police, l'État, à travers la structure de sécurité, la police, la justice, sécurité publique, président de l'arrière, je ne constate déjà, pour garantir sécurité, tout le monde devait vaquer librement à occupation.
Merci Radio Caraïbe et merci tout auditeur et tout quant à vous qui était dans des messages là. Merci un peu. Bon, on va parler comme